Salut, c'est Cochonou en Guyane numéro 3. Alors la Guyane, c'est 85% de forêt vierge. Alors ça veut dire que quand on va chercher son pain à la boulangerie le dimanche matin, c'est un peu l'aventure. Alors ce que vous entendez là, c'est Gérard. C'est l'espèce de système d'alarme de la forêt vierge. C'est lui qui prévient les autres animaux de la forêt qu'il y a un danger qui s'approche. Là en l'occurrence le danger c'est moi. Donc le système est un petit peu déconnant, sachant que je suis pas vraiment en danger. C'est lui qui gueule comme un putois depuis avant. Vous avez vu comme il crie à gorge déployée. Telle une sonnette d'alarme pour signaler ma présence aux autres animaux. Ici nous avons un palmier, dit palmier, faut pas me chercher. Parce que faut pas le chercher. Ça c'est Boris, mon voisin. Ouais, il est sympa. Il aime bien bouffer. Ah, il est encore en boîte hier soir. Mais quel tuffeur ce bruit. Ici nous avons donc un spécimen de l'arbre à réconfort. Qu'est-ce que l'arbre à réconfort? Il est plus communément appelé arbre. Viens ici mon petit, c'est pas grave, la vie continue. Démonstration. Alors là, on a une merveilleuse illustration de ce que c'est pour un arbre de péter plus haut que son cul. Donc on voit bien que là, monsieur l'arbre a décidé que oui, il n'allait pas faire comme tout le monde. Et que ses racines, elles allaient être un mètre au-dessus du sol. Alors en Guyane, faut pas avoir peur de se faire prendre par la pluie. Ici c'est comme ça, ça vient et ça part comme ça veut. Et c'est assez binaire. Hein. Soit il pleut, soit il pleut pas. Bon là il pleut.